connu une année chez Twitter exceptionnelle. Une année sportive, une année très politique avec l'élection présidentielle. Twitter, c'est une plateforme d'engagement forte, une plateforme sur laquelle il se passe toujours quelque chose et une plateforme sur laquelle tout le monde a toujours quelque chose à dire. On a eu une étude de cas qui était très intéressante, à savoir Granola de Mondelez, qui était vraiment parlante. C'est l'année de la vidéo et Twitter l'a bien compris. C'était hyper intéressant de voir comment justement les influenceurs permettent d'amplifier en fait les campagnes existantes, comme surtout Intermarché, qui a été reprise par Valérie Damido. Donc c'est assez marrant de voir une campagne comme ça qui prend sur une créa un petit peu décalée. Pour ma part, la partie qui m'a le plus intéressé aujourd'hui, c'est le cas de Twitter en Espagne, avec comment Twitter rend l'accessibilité à la communication aussi à des personnes qui ont une mobilité réduite. Puis ce côté aussi touchant de cette histoire-là. Tweet and Toast, j'adore. Le format est bon, l'esprit moderne y est, l'ADN de Twitter y est fortement, et donc c'est un super événement.